Que quoi? Il t'a acheté la voiture. Tu es sûr que tu vas l'épouser? Et tu prends la voiture là par rapport à quoi? Comment faut que je fasse un tour comme sur toi? Parce que. Attends, non. Attends, rappelle-moi, rappelle-moi. Vraiment, mes soeurs, aujourd'hui. Charono, Valéno. il y a des choses qui ne se passent pas bien ici dehors. C'est comment? Demande-moi de parler. Toco! Il y a des erreurs que nos soeurs commettent quand il y a mon frère. Comment ça? Par exemple, l'histoire de les filles vers se marier là, c'est gâté. C'est pas qu'un frère là, Yamo, plutôt qu'elle commette des erreurs là. Oui, tout ça c'est embrouillement. Tout ça c'est quand le frère là, Layamo, là, qu'elle commence à faire les choses, je sais pas. Maintenant, il a Yamo, elle-même, elle ne y a pas mon. Non, Parce que quand elle ne y a pas mon, il y a aussi une autre façon de fonctionner. Donc, on va vous dire les erreurs à ne pas commettre. Quand tu Quand tu remarques qu'un remarques le gars là frère dedans jusqu'à. t'es amour. Donc, à toi, comme tu nous connais dans lui de toi, Oh, team. Un frère même, tu commences à voir un genre dans l'église, comment il est en train de s'agiter autour de toi, parce que ça ne s'ignore pas. Quand quelqu'un te désire, Yamo. Dieu nous a fait esprit, donc même ton esprit, quand ça regarde, ça, on sait que celui-ci. Donc, le genre que Dieu m'a créé fatal là, il est tombé dedans. Mais maintenant, il vient. Comme nos frères sont genre, il est là devant toi. Bonjour, bonsoir. Si tu ne l'aides pas, il ne va jamais rien te dire. Tu ne l'aides pas comment? Tu aides le frère à te J'ai dit dire. qu'on aide un peu. Tu l'amènes à dire. Tu l'amènes Ce à n'est pas dire toi qui comment? dis. Mais tu le pousses, tu presses partout là, ça sort. C'est vrai que recently I went to the on the internet and I stumbled upon a video where they explained that guys who are totally single have more to lose than guys who are players. And guys who are serious, that's guys who are single and serious, they have more to lose than players. That's guys who are in several multiple relationships. So single guys who are actually serious, they have more difficulties talking to girls. Like, they will like you, but because they have more to lose if you don't say yes, they're scared, you know. So they have like more to lose, so they find it much more difficult to talk to girls, like to express themselves, to express their feelings. Usually they will stutter, usually they will stay around you, but they'll never say anything. And that was a good thing to learn. So, for us single girls, remember that the guy who finds it hard to speak, he's serious. Mais il faut dire ça aux filles matures, parce qu'il y a les filles, maintenant tu vas leur dire, aide-le, elle va trop faire. Oui, dès qu'il va faire une blague, elle rit depuis 2 heures de temps, depuis 2 heures de temps, tu lis la blague, là, que personne n'a. Donc elle va montrer au gars là qu'elle est fan de lui tellement, dès qu'il poste quelque chose sur internet, elle doit commenter. Dès qu'il poste une photo, elle doit liker. Donc elle est omniprésente, mon ami. Tu es le Saint-Esprit. Sometimes ça they go frère. The Il y a quoi ça whole way to pay their own very Quand price. Toi, tu... Oui, c'est vrai. Parfois, la fille, elle va jusqu'à payer sa propre dot. C'est-à-dire que you go the whole way. You go from... C'est toi qui as dragué le gars. C'est toi qui as accepté à la place du gars. C'est toi qui as dit au gars que... Et si on parlait mariage? Et le gars t'a dit que, OK, je ne suis pas prêt. Mais tu as forcé, poussé jusqu'à il est venu voir ta... Dans... C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de go là, non. She goes the whole Et way puis, to do everything. Là, elle a fait ça en un mois. Tellement tu es sur lui. Lui-même, ça le refroidit. Yeah. Quand quelqu'un te yamo, il faut être mature pour l'amener à parler. On fait ça là avec un petit avec sourire. Tact. Bonjour de temps en temps, ça va? Tu fais quoi? Des petites questions là. Lui-même sent que la voix, elle est respectée, elle est posée. C'est dans la fille que tu es d'accord. Pas les agiter, petite fille là. Agiter sur les réseaux sociaux. Agiter. Non! Voilà. Elle s'agite. Donc, il faut arrêter ça. Bon, pour moi, je pense que il est très important de ne pas trop s'engager, en fait. D'être prête à quitter. Because what people don't realize is that the dating process, and I define dating as getting to know each other, not being in a relationship, because that's the actual definition of dating. It means that you go out from time to time with this particular person, trying to get to know each other, no commitment, no girlfriend, boyfriend attached to the relationship. You're just trying to know each other. So I feel like many people take the dating process too seriously and they invest too much in the dating process. They are not ready to leave.
they're not ready to walk away. They're not ready to say, okay, this thing didn't work out, let me leave. Because they've already put in too much at that phase where a girl, you're like, you feel like the guy likes you because you felt like the guy liked you, you went and started washing his clothes. You felt like the guy liked you, you went and told all your friends that you were dating. You felt like the guy liked you, you went and told, talked about him to your mother, to your father. You went and, that you did strange things and then you're not ready to realize that it may not end up in a relationship. Vous pouvez vous rendre compte que ça ne va aller nulle part au bout d'un moment. Yeah. Donc, il ne faut pas t'investir dans un truc où tu n'as pas d'avoir su. Mm-hmm. Tu dois avancer dans la on avance dans une relation avec le cerveau. Oui, et parfois, même les hommes aussi, parfois, ils oublient de réaliser que toute... C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu courtises une fille, ça peut ne pas aboutir à une relation. Parfois, les gars se fâchent. Oh, mon agent, je lui ai donné mon agent. Tu vas me remettre tout ce que je t'ai donné. Oui, qui t'a renvoyé? Toi-même, tu es en train de s'en conserver. Parce qu'il y a les gens que on a dit aujourd'hui, cette année, tu vas te marier cette année. Ouais. Il a embrouillé dans sa tête toutes les filles qui vont venir. Comme le pasteur a dit, il a écrit la date de août. Toutes les filles qui vont venir le 15 août, là, elles sont finies. Mais elles sont terminées. C'est fini pour la vie. Tu vas tomber sur ça et tu vas plus réfléchir, donner tout pour qu'elles disent oui, pas être la prophétie et en train de traverser le temps. Non. Voilà pourquoi on se retrouve dans des histoires comme ça. Après, elle ne remet rien. Voilà, on n'entre pas dans une relation comme ça. C'est toi qui ne réfléchissais pas. And then another thing that we have to be mindful of is our protocol. First of all, every single person, men or women, you have to establish a protocol that you are going to follow when you think you're interested in someone and that you want to build a relationship with that person. Build a protocol, establish a protocol. Like, even unbelievers already have this, like, Steve Harvey wrote a book on the 90-day rule. That's a protocol for single people. A single lady could say, I will not have sex with a guy for... before the 3 month period. Dans chapitre 1, verset 1. L'autre là, c'est pour les mondains. Ça, c'est pour les mondains. Et que c'est aux chrétiens qu'il faut non, dire. Non, 90 jours. Non, les chrétiens, c'est jusqu'au mariage. Non. Les mondains peuvent dire 90. Comment tu fais comme ça là? Faut pas faire ça, s'il te plaît. Il faut bâtir un protocole et le respecter. On a vu à l'église aujourd'hui que beaucoup de sœurs ont brisé, rompu le protocole parce que elle a vu que le frère, là, il y a un mot, le frère était chaud pour le mariage. Le père a dit attendez, elle a dit non, je fonce. La mère a dit attendez, elle a dit non, je fonce. Le pasteur a dit attendez, elle a dit qu'on va aller célébrer ça dans une autre église, on reviendra s'asseoir sous ton ministère quand Claire, tu accepteras notre devant mariage. Devant toi, sous tes yeux. Non, c'est même pas tu sérieux. Ne pas, on finit là-bas, on vient devant toi, là, tu prêches, on te regarde. C'est pas sérieux. Tu dois avoir ton protocole personnel. L'église a un protocole. L'église à laquelle tu es soumise a un protocole. Il faut être prêt à respecter ce protocole-là. Parce que Dieu a un protocole. Voilà, c'est ça. Dieu a un protocole. Il faut respecter ça. Il ne faut pas qu'au début, oh, tu es allé laver ses habits. Tu es à sa cuisinière. C'est toi qui arranges sa maison. Tes habits sont là dans sa maison. Donc, tu t'es tellement investi qu'au fait, tu es marié. C'est nous qui sommes pas au courant. Ouais, récemment, de s'aligner à ce que tu veux, tu te comportes bizarrement, mais nous on comprend pas. On ne sait pas que tout a été rompu. Oui, on ne sait pas que tu es marié dans ta tête. Dans ta tête, tu es marié. C'est comme récemment, j'ai vu un post sur Facebook. C'est une non-croyante. Je crois qu'elle est influenceuse. Elle n'est pas. Non, je suis là, elle dit qu'elle est non-croyante. Peut-être elle est croyante, mais peut-être elle n'est pas catholique. De toute façon, j'ai vu son post qu'une amie a publié où elle disait que tu t'engages. Tu commences petit à petit parce que tu veux te sentir marié. Tu commences à aller mettre tes choses chez le gars. Toi-même, tu aménages avec lui. Toi-même, tu 10 ans plus tard, il trouve son âme sœur et t'épouse. Quand tu dis que les hommes sont mauvais. Pardon. Les hommes sont très bons. Pardon, respectons le protocole. Il sait reconnaître sa Ève. C'est toi le chimpanzé là qui t'embrouille. Ouais. Donc, et il faut savoir aussi, les filles, quand tu yammes beaucoup un gars, faites tout pour le présenter aux gens. Les histoires que vous faites en cachette, là, ça cuit toujours. Je ne veux pas, mes cousines vont me le voler. Si elles peuvent te le voler avant, elles peuvent te le voler après. Tu veux vraiment être... Il faut même mieux découvrir qu'avant, là. Tu veux vraiment te marier à un gars qui est volable. C'est vraiment ce que tu veux. Tes parents ne le connaissent pas. Quand vous aurez 4 enfants, on va le voler. Tes amis ne le connaissent pas. Maintenant, c'est le jour du mariage qu'on se rend compte que... le gars qu'elle est en train d'épouser, là... On le voit souvent, il sort, c'est un homosexuel. Mais toi, celle-là, maintenant, tu es devant l'hôtel, là.
plus personne ne peut te dire. Parce que tu cachais, tu avais peur qu'on va seulement arracher. On va... si tu as la peur, si tu as le problème de peur, résous tes problèmes de peur. Oui. Mais quelqu'un qui va être dans ta vie, qui va côtoyer tous ces gens-là, c'est mieux de voir. Tu sais qu'il y a des choses que il va faire seulement quand il sait que tu n'es pas là. Mais Dieu peut permettre que tes autres là, amis espions là, voit ça et vient te prévenir. Oui, il y a des gens de connaître et de continuer à foncer. J'ai entendu plusieurs histoires comme ça, Valène, où les gens, et voilà pourquoi il est important aussi de dire à son pasteur ou à son leader, c'est très important quand un gars vient vers toi et qu'il est vraiment sérieux, c'est pas que tu dois présenter tout le monde, mais quand il est sérieux et que tu penses que tu veux déjà le considérer, va dire à ton pasteur. Plusieurs fois, il est arrivé que un gars s'engage avec une soeur et tout, c'est quand elle est déjà loin dans la relation, elle a peut-être même déjà couché avec lui, elle est même déjà peut-être enceinte. Quand ça arrive aux oreilles du pasteur, c'est là où le pasteur s'engage à appeler la fille pour lui dire qu'il a une famille en Bahia. Okay. Femme, enfant. Il a une famille à Ebolova. Il est déjà marié quelque part. On est en train de vouloir faire son mariage parce qu'il vit dans le concubinage depuis 10 ans, depuis 20 ans. Tout ça parce que tu n'as pas dit. C'est parce que tu caches ton gars que tu vas sortir avec le même gars, ta soeur et toi. Oui. C'est pour ça. C'est parce que tu caches ton gars que vous serez dans le même groupe, dans la même chorale. Vous allez chanter ensemble. Il va sortir avec vous 8. Oui. Parce que tu caches ton gars. Oui. Donc, pardon. On n'est pas ici dans le monde. Pardon. Donc, nos soeurs, c'était les petits conseils qu'on voulait vous donner. Que quand on yamo quelqu'un, on peut pas le yamo plus que Jésus. Mm-hmm. Voilà, c'est Jésus qui a le droit, qui a tous ces droits là. Un homme non. Donc fais attention à tout ce qu'on a cité là. Surtout n'oublie pas d'ajouter, t'en as oublié des choses. Mm-hmm. Commenter, partager. Partage ta propre expérience. Mm-hmm. Abonnez-vous à la page parce que de bonnes choses vont suivre encore et encore. Et surtout, see you next time. Quoi? Il t'a acheté la voiture. Tu es sûr que tu vas l'épouser? Et tu prends la voiture là par rapport à quoi? Non, non, faut que je fasse un tour comme tu dois. Parce que. Attends, rappelle-moi. Vraiment, les soeurs aujourd'hui. Charono. Valeno. Il y a des choses qui ne se passent pas bien ici dehors. C'est comment? Demande-moi de parler. Toco! Il y a des erreurs que nos soeurs commettent quand il y a mon frère. Comment ça? Par l'histoire de la fille vers se marier là, c'est gâté. C'est pas qu'un frère là, Yamo, plutôt qu'elle commette des erreurs là. Oui, tout ça c'est embrouillement. Tout ça c'est quand le frère là, la Yamo, là, qu'elle commence à faire les choses, je sais pas. Parce qu'il la Yamo, elle-même, elle ne l'a pas mou. Non, est-ce que. Parce que quand elle ne l'a pas mou, il y a aussi une autre façon de. Qu'elle fonctionne. Donc, on va vous dire les erreurs à ne pas commettre. Quand tu remarques que le gars est dedans jusqu'à. T'es amour. Mm-hmm. Donc, à toi, comme tu nous connais dans 8 de talk. Autime. Un frère, même, tu commences à voir un genre dans l'église, comment il est en train de s'agiter autour de toi, parce que ça ne s'ignore pas. Quand quelqu'un te désire, Dieu nous a fait esprit, donc même ton esprit, quand ça regarde, ça, on sait que celui-ci, dans le genre que Dieu m'a créé fatal là, il est tombé dedans. Mm-hmm. Mais maintenant, il vient, comme nos frères sont genre, il est là devant toi, bonjour, bonsoir. Si tu ne l'aides pas, il ne va jamais rien te dire. Tu ne l'aides pas comment? Tu aides le frère à te dire. J'ai dit qu'on aide un peu. Tu l'amènes à dire. Tu l'amènes ce à n'est dire pas toi qui dis. Mais tu le pousses, tu presses partout là, ça sort. C'est vrai que recently I went to the on the internet and I stumbled upon a video where they explained that guys who are totally single have more to lose than guys who are players. And guys who are single and serious, they have more to lose than players. That's guys who are in several multiple relationships. So single guys who are actually serious, they have more difficulties talking to girls. Mm-hmm. Like they will like you, but because they have more to lose if you don't say yes, they're scared, you know. So they have like more to lose, so they find it much more difficult to talk to girls, like to express themselves, to express their feelings. Usually they will stutter. Usually they will stay around you, but they'll never say anything. And that was a good thing to learn. La vie, la prophétie.
for us single girls, remember that the guy who finds it hard to speak, he's serious. Mais il faut dire ça aux filles matures, parce qu'il y a les filles maintenant, tu vas leur dire, aide-le, elle va trop faire. Oui, parfois. Dès qu'il va faire une blague, elle rit depuis 2 heures de temps, tu ris la blague là, que personne n'a. Donc elle va montrer à au gars là qu'elle est fan de lui tellement, dès qu'il poste quelque chose sur internet, elle doit commenter. Dès qu'il poste une photo, elle doit liker. Donc elle est omniprésente. Mon ami, tu es le Saint-Esprit. Sometimes they go the whole way to pay their own bride price. Oui, c'est vrai. Parfois, la fille, elle va jusqu'à payer sa propre dot. C'est-à-dire que you go the whole way. You go from... C'est toi qui as dragué le gars. C'est toi qui as accepté à la place du gars. C'est toi qui as dit au gars que... Et si on parlait mariage? Et le gars t'a dit que, OK, je ne suis pas prêt. Mais tu as forcé, poussé jusqu'à il est venu voir ta... Dans... C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de gola, non? She goes the whole et way to do everything. Là, elle a fait ça en un mois. Tellement tu es sur lui. Lui-même, ça le refroidit. Yeah. Quand quelqu'un te yamou, il faut être mature pour l'amener à parler. On fait ça là avec un petit avec sourire. Tact. Bonjour, de temps en temps, ça va. Tu fais quoi? Des petites questions. Lui-même sent que la goa, elle est respect, elle est posée là. C'est dans une fille que je peux apprendre. Pas les agiter, petit fille là. Agiter sur les réseaux sociaux. Agiter. Non! Voilà. Elle s'agite. Donc, il faut arrêter ça. Bon, pour moi, je pense qu'il est très important de ne pas trop s'engager, en fait. D'être prête à quitter. Because what people don't realize is that the dating process, and I define dating as getting to know each other, not being in a relationship, because that's the actual definition of dating. It means that you go out from time to time with this particular person, trying to get to know each other, no commitments, no girlfriend, boyfriend attached to the relationship. You're just trying to know each other. So I feel like many people take the dating process too seriously and they invest too much in the dating process. They are not ready to leave. They are not ready to walk away. They are not ready to say, okay, this thing didn't work out. Let me leave. Because they've already put in too much at that phase where a girl, you're like, you feel like the guy likes you because you felt like the guy liked you. You went and started washing his clothes. You felt like the guy liked you. You went and told all your friends that you were dating. You felt like the guy liked you. You went and talked about him to your mother, to your father. You went and that you did strange things and then you're not ready to realize that it may not. Vous may not end up in a relationship. Vous pouvez vous rendre compte que ça ne va aller nulle part au bout d'un moment. Yeah. Donc, il ne faut pas t'investir dans un truc où tu n'as pas d'avoir su. Mm-hmm. Tu dois avancer dans la on avance dans une relation avec le cerveau. Oui, et parfois, même les hommes aussi, parfois, ils oublient de réaliser que c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu courtises une fille, ça peut ne pas aboutir à une relation. Parfois, les gars se fâchent. Oh, mon agent, je lui ai donné mon agent. Tu vas me remettre tout ce que je t'ai donné. Oui, qui t'avait envoyé? Toi-même, tu es entré sans ton cerveau. Parce qu'il y a les gens que on a dit aujourd'hui, cette année, tu vas te marier cette année. Ouais. Il a embrouillé dans sa tête ouais. Toutes les filles qui vont venir. Comment le pasteur a dit que, écrit la date, il a écrit la date de août. Toutes les filles qui vont venir le 15 août, là, elles sont finies. Mais elles sont finies. Elles sont terminées. C'est fini pour leur vie. Tu vas tomber sur ça et tu vas plus réfléchir, donner tout pour qu'elles disent oui, pas être la prophétie et en train de traverser le temps. Mm. Non! Voilà pourquoi on se retrouve dans des histoires. Après, elle remet, elle ne remet gang, elle ne remet rien. Voilà, on n'entre pas dans une relation comme ça. C'est toi qui ne réfléchissais pas. And then another thing that we have to be mindful of is our protocol. First of all, every single person, men or women, you have to establish a protocol that you are going to follow when you think you're interested in someone and that you want to build a relationship with that person. Build a protocol, establish a protocol. Like, even unbelievers already have this, like, really? Steve Harvey wrote a book on the 90-day rule. That's a protocol for single people. A single lady could say, I will not have sex with a guy before the 3 month period. Dans chapitre 1, verset 1. L'autre là, c'est pour les mondains. Ça, c'est pour les mondains. Ok, c'est chrétien qu'il faut non, dire. Non, 90 jours. Non, les chrétiens, c'est jusqu'au mariage, non. Les mondains peuvent dire 90. Comment tu fais comme ça là? Il ne faut pas faire ça, s'il te plaît. Il faut bâtir un protocole et le respecter. On a vu à l'église aujourd'hui que beaucoup de sœurs
ont brisé, rompu le protocole parce que elle a vu que le frère, là, il y a un mot, le frère était chaud pour le mariage. Le père a dit attendez, elle a dit non, je fonce. La mère a dit attendez, elle a dit non, je fonce. Le pasteur a dit attendez, elle a dit qu'on va aller célébrer ça dans une autre église, on reviendra s'asseoir sous ton ministère quand Claire, tu accepteras notre mariage. Devant toi, sous tes yeux. Non, c'est même pas sérieux. Même quand tu n'acceptes pas, on finit là-bas, on vient devant toi, là, tu prêches, on te regarde. C'est pas sérieux. Tu dois avoir ton protocole personnel. L'église a un protocole. L'église à laquelle tu es soumise a un protocole. Il faut être prêt à respecter ce protocole-là. Parce que Dieu a un protocole. Voilà, c'est ça. Dieu a un protocole. Il faut respecter ça. Il ne faut pas qu'au début, oh, tu es déjà allé laver ses habits. Tu es à sa cuisinière. C'est toi qui arranges sa maison. Tes habits sont là dans sa maison. Dans sa maison. Donc, tu t'es là tellement investi qu'au fait, tu es marié. C'est nous qui sommes pas au courant. Ouais, récemment, j'ai vu. Refuse de s'aligner à ce que tu veux. Tu te comportes bizarrement, mais nous, on ne comprend pas. On ne sait pas que tout a été rompu. Tu es marié. C'est comme récemment, j'ai vu un post sur Facebook. C'est une non-croyante. Je crois qu'elle est influenceuse. Elle n'est pas. Bon, parce que je suis là, elle dit qu'elle est non-croyante. Peut-être elle est croyante, mais peut-être elle n'est pas pentecôtiste. De toute façon, j'ai vu son post qu'une amie a publié où elle disait que tu t'engages. Tu commences petit à petit parce que tu veux te sentir marié. Tu commences à aller mettre tes choses chez le gars. Toi-même, tu aménages avec lui. Toi-même, tu 10 ans plus tard, il trouve son âme sœur, il ne t'épouse pas. Tu dis que les hommes sont mauvais. Pardon. Les hommes sont très bons. Pardon, respectons le protocole. Il sait reconnaître sa Ève. C'est toi le chimpanzé là qui t'envie. Ouais. Donc, et il faut savoir aussi, les filles, quand tu yammes beaucoup un gars, fais tout pour le présenter aux gens. Les histoires que vous faites en cachette, là, ça cuit toujours. Je ne veux pas, mes cousines vont me le voler. Si elles peuvent te le voler avant, elles peuvent te le voler après. Tu veux vraiment être... Il faut même mieux découvrir qu'avant, là, tu veux vraiment te marier à un gars qui est volant. C'est vraiment ce que tu veux. Tes parents ne le connaissent pas. Quand vous aurez 4 enfants, on va le voler. Tes amis ne le connaissent pas. Maintenant, c'est le jour du mariage qu'on se rend compte que le gars qu'elle est en train d'épouser, là, on le voit souvent, il sort, c'est un homosexuel. Mais toi, celle-là, maintenant, tu es devant l'hôtel, là. Plus personne ne peut te dire. Parce que tu cachais, tu avais peur qu'on va seulement arracher. On va... Si tu as la peur, si tu as le problème de peur, résous tes problèmes de peur. Oui. Mais quelqu'un qui va être dans ta vie, qui va côtoyer tous ces gens-là, c'est mieux de voir. Tu sais qu'il y a des choses qu'il va faire seulement quand il sait que tu n'es pas là. Mais Dieu peut permettre que tes autres là, amis espions, là, Il voit ça et vient te prévenir. À toi de connaître et de continuer à foncer. J'ai entendu plusieurs histoires comme ça, Valène, où les gens... Et voilà pourquoi il est important aussi de dire à son pasteur ou à son leader. C'est très important. Quand un gars vient vers toi et qu'il est vraiment sérieux, c'est pas que tu dois présenter tout le monde. Mais quand il est sérieux et que tu penses que tu veux déjà le considérer, va dire à ton pasteur. Plusieurs fois, il est arrivé que... un gars s'engage avec une soeur et tout, c'est quand elle est déjà loin dans la relation, elle a peut-être même déjà couché avec lui, elle est même déjà peut-être enceinte. Quand ça arrive aux oreilles du pasteur, c'est là où le pasteur s'engage à appeler la fille pour lui dire qu'il a une famille en Balmain. Femme, enfant. Il a une famille à Ebolova. Il est déjà marié quelque part. On est en train de vouloir faire son mariage parce qu'il vit dans le concubinage depuis 10 ans, depuis 20 ans. Tout ça parce que tu n'as pas dit. C'est parce que tu caches ton gars que tu vas sortir avec le même gars, ta soeur et toi. Oui. C'est pour ça. C'est parce que tu caches ton gars que vous serez dans le même groupe, dans la même chorale. Vous allez chanter ensemble. Il va sortir avec vous 8. Oui. Parce que tu caches ton gars. Oui. Donc, pardon. On n'est pas ici dans le monde. Pardon. Donc, nos soeurs, c'était les petits conseils qu'on voulait vous donner. Que quand on yamo quelqu'un, on ne peut pas le yamo plus que Jésus. Voilà, c'est Jésus qui a le droit, qui a tous ces droits-là. Un homme, non. Donc, fais attention à tout ce qu'on a cité là. Surtout, n'oublie pas d'ajouter, peut-être on a oublié des choses. Commenter, partager. Partage ta propre expérience. Abonnez-vous à la page parce que de bonnes choses vont suivre encore et encore. Et surtout, see you next time!